ce chavas s'est décliné sur tous les tons. Hein? Par exemple, on voit Valère, et c'est un gaillard, et on dit « Alors Valère, ça va ? Ça va ? Et à part ça, ben, à part ça, ça va. Et sinon, ben, sinon, ça va. » Ou bien tu rencontres Marie, Marie, elle a tout dit des problèmes tout partout, et elle te dit « Ça va Marie ? Ben, ça va. » Et je dis « À part ça, ben, à part ça, ça va. » Et sinon, ben, sinon, ça va. Et je me suis posé la question, comment est-ce que, d'où vient ce « et à part ça » D'où est-ce qu'on a été chercher ce mot « à part ça » Eh bien, c'est pas compliqué. On peut se rencontrer, vous et moi, quelque part dans le bus, sur la grande place de Tournai, dans un café, dans un train, et forcément, on va, disons, parler et dire ce qu'on vit. Hein? Et l'un va dire qu'il y a des problèmes de contribution, l'autre il va dire que cette femme elle est foutue le camp. Hein? Notez qu'avant-hier j'étais dans un café, il y avait deux hommes à peu près d'une quarantaine d'années qui étaient attablés et 40-45, et ça devait être des amis parce qu'ils étaient l'un près de l'autre, l'un en face de l'autre. Et ils pleuraient tous les deux. Et j'entendais, parce que j'étais pas loin d'eux, il y en a un qui pleurait parce que sa femme était partie. Et l'autre, il pleurait parce que sa femme, elle était revenue.